On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui. À partir de minuit ce soir, c'est le confinement aujourd'hui pour tout le monde. Ça, vous le savez bien. Malheureusement, donc j'essaierai de faire des vidéos de détection sur l'heure où on peut aller se promener, hein, c'est-à-dire à moins d'un kilomètre de notre lieu d'habitation. Moi, j'ai de la chance, hein, j'ai une habitation roulante. Donc je peux quand même essayer de jouer un petit peu avec ça, d'essayer de trouver des autorisations pour aller détecter, et puis de rester sur la zone tout simplement, et puis de détecter pendant l'heure de sortie pour aller s'aérer, comme ils disent, prendre l'air. Je trouve l'expression assez sympathique quand même. Bon, c'est comme ça, on va être obligé de suivre un petit peu tout ce qu'ils nous disent, on n'a pas le choix, et puis bon, si ça peut endiguer ce maudit virus, on va dire, allons-y gaiement, hein. Voilà, il faut vraiment endiguer ce virus. Je ne suis pas certain que leur stratégie soit la bonne, puisqu'à Noël, hein, tout le monde se réunira, hein, toutes les familles, les enfants, petits-enfants, les parents, les grands-parents. Je ne suis pas certain qu'on n'aura pas une troisième vague après tout ça. Bon, je ne suis pas devin, on verra ce qu'il en sera. Pour l'instant, on va obéir à ce qu'on nous dit, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, moi j'avais envie de vous proposer une journée avec Terre Secrète. C'est pas une journée type, il manque des choses évidemment, je n'ai pas eu accès à certains endroits qui sont fermés depuis maintenant le couvre-feu en fait. Puisqu'il y a des endroits où je peux profiter du Wi-Fi gratuitement quand je fais mes montages vidéo. Voilà, donc là vous verrez une journée où j'essaie de m'occuper, mais vous verrez également que dans cette journée, je ne parle pas du temps qui me prend, beaucoup de temps qui me prend pour faire mes montages, la détection, les autorisations pour détecter dans certains lieux. Tout ça, je ne l'ai pas rentré en ligne de compte. Mais on va essayer de passer une petite journée type ensemble. Tout simplement. Voilà, donc c'est parti. Je ne suis pas un cheval, hein, évidemment, mais j'adore les flocons d'avoine le matin. Je trouve que ça fait un très très bon petit déjeuner, très consistant, et ça donne beaucoup d'énergie. Je le mélange avec du lait, et puis j'y ajoute un petit peu de miel. Voilà, je mange à côté une petite banane ou alors un kiwi. Ça donne beaucoup d'énergie pour pouvoir démarrer la journée tonitruante. Petite visite surprise. Regardez. Bonjour. Viens. Viens voir mon pépère. Viens. Alors ce chat, je dis visite surprise, mais ça fait 3 jours qu'il vient au camion comme ça. C'est un chat en errance. Et il était quand même assez maigre il y a 3 jours. Et là, il a repris un peu de poil de la bête. Je lui donne à manger. Viens mon petit chat. Moi, oui, viens manger. Pauvre petit père. Peut-être l'adopter, celui-là. Ça fera une compagnie à Punchy. Franchement, j'aime pas voir les animaux en errance comme ça. Et ce qui est drôle, on dit souvent que les chats sont très très personnels parce que on dit qu'ils n'ont pas besoin de famille ou qu'ils sont assez indépendants. Et celui-ci, ça fait 3 jours qu'il vient au fin fond de ses bois ici. Et tous les jours, il vient chercher à manger. Donc il est quand même assez intelligent. Il a repéré des bonnes âmes. Mange. Et tu peux revenir quand tu veux. Hein? Bah oui, il est pas très vieux ce chat. Thank you.
Alors le sport, comment on peut pratiquer le sport quand on vit en camion aménagé? Moi j'ai plusieurs solutions. Je peux soit faire de longues marches, petite randonnée on va dire, pas courir parce que je ne peux pas trop me permettre de courir avec de gros problèmes de dos que j'ai eu, de colonne vertébrale, des opérations. Mais j'arrive à faire de la musculation en gardant le dos bien droit, de ne pas mettre des charges trop lourdes justement pour essayer de me muscler le dos. En fait, de garder un physique en bonne santé. J'aime beaucoup la musculation. C'est un sport qui me permet d'évacuer beaucoup de choses parce que c'est assez physique. Et je trouve que c'est un très bon sport. Je l'ai pratiqué quand j'étais très jeune. Voilà, ça ne rajeunit pas tout ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce sport. Et justement, où je pratique ce sport, c'est où j'ai accès au Wi-Fi gratuit dans ce commerce. Voilà, donc j'embrasse vraiment les propriétaires des lieux. Je leur fais de gros bisous. Ce sont vraiment de grands amis. Moi, je les respecte beaucoup parce que ce sont des personnes. C'est vraiment du cœur qui m'ont autorisé à venir chez eux, recharger des fois du matériel, utiliser le Wi-Fi qui est gratuit, pas que pour moi, pour d'autres personnes également. Mais au niveau de sa salle de musculation, à ce monsieur-là. Voilà, il me la réserve et ça, je trouve ça vraiment très cool parce que c'est gratuit. Il me dit, tu viens quand tu veux. Malheureusement, là, avec le confinement, je vais sortir des élastiques. Hein. J'ai des élastiques pour faire un peu de sport, vous savez, un peu de musculation avec des élastiques. Ça marche aussi. Mais en tout cas, je le remercie beaucoup. Voilà, je lui fais plein de gros bisous, Jean-Loup et Chantal, sa femme. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà, il y a encore des gens. Qui ont un grand cœur et qui parlent avec leur cœur tout simplement. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir fait leur rencontre. On est devenus de très bons amis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'aime beaucoup cuisiner dans mon camion. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Voilà, me faire ma propre cuisine. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui achète des conserves, ce genre de choses comme ça. Je fais attention à ce que je mange. Les légumes sont pas très chers. Donc voilà, c'est un peu une harmonie aussi quand on est tout seul dans un camion, enfin, tout seul avec plein de chiens évidemment, mais c'est un genre d'extension, on va dire, à une vie de nomade, de faire sa propre cuisine soi-même, un petit peu comme le canoë-kayak, comment aller faire du sport, aller faire, etc., faire plein de choses, c'est une extension à une vie de nomade. On n'est pas confiné tout le temps dans un camion, on ne vit pas dans un camion pour vivre dans un camion. Voilà, c'est un peu paradoxal tout ça, mais on vit dans un camion pour faire beaucoup de choses à l'extérieur et je suis pas certain qu'on ferait ce genre de choses si on était dans une maison en fait, parce qu'on est tellement habitué au confort qu'on reste blotti dans ce confort en fait. Voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire, mais on nous a tellement habitué à avoir du confort. Un bon canapé, une bonne télé, etc., on s'est imprégné de ça et on s'est habitué à ça. Alors évidemment, je suis comme tout le monde, je lave mon linge. Je lave mon linge, donc j'ai pas de machine à laver ici. Donc c'est direction le lavomatique. Demoiselle, une dame, une mamie. Pour mon eau, alors moi j'ai un jerrycan d'eau qui fait 20 litres. Alors je sais que beaucoup de camping-caristes, de personnes même qui habitent dans un camion aménagé comme moi,
vont souvent faire leurs réserves près d'un dans un cimetière, parce qu'il y a des robinets d'eau, de l'eau potable, donc ils vont dans un cimetière. J'ai vu des camping-caristes aller, beaucoup de camping-caristes qui vont dans les cimetières pour faire leur plein d'eau dans leurs grosses réserves, puisque c'est souvent des cuves de 100 litres d'eau propre, c'est ce qu'on appelle de l'eau propre. Voilà, moi je vais souvent tout près d'une église, je cherche toujours le point d'eau le plus proche. Pour moi, tout près d'une église, il y a souvent comme on est lavabo, il y a des toilettes à côté, et il y a surtout de l'eau potable au robinet. Donc je nettoie toujours bien les robinets, je désinfecte, je remplis mon jerrycan de 20 litres, ça va me faire à peu près entre 2 et 3 jours. Et de cette eau, je vais m'en servir pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, pour me laver, et puis voilà, toutes les choses de la vie. Bon, j'achète de l'eau en bouteille pour boire. Voilà, de l'eau qui reste en jerrycan, c'est plastifié. C'est jamais très bon, même quand il y a de la chaleur ou qu'il fait très chaud dans le camion, plastique et l'eau. C'est pas un super mélange. Donc je préserve cette eau pour tout ce qui est donc vaisselle, comme je l'ai dit, la toilette, la cuisine, etc. Voilà, sinon je prends des bouteilles d'eau. Voilà un petit peu comment ça se passe une journée avec Terre Secrète. J'avais vraiment envie de vous faire partager un petit peu tout ça. Bon, ça n'inclut pas, hein, vous savez bien, tout ce qui est sortie détection, les autorisations, le montage vidéo qui me prend énormément de temps. Je pense que tout ça doit me prendre à peu près 60% de mon temps en dehors de ma vie de nomade que j'ai en camion, évidemment. Donc voilà, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne de Terre Secrète, n'hésitez pas à vous abonner. Petite cloche de notification. Également, n'hésitez pas à cliquer dessus pour être prévenu de tous les numéros qui sont sortis à l'instant T, on va dire. Et puis, comme vous le savez, hein, beaucoup d'entre vous d'ailleurs, tous les abonnés fidèles, savent que sur la chaîne, c'est de la détection, mais pas que. Hein. C'est très diversifié, ça vous le savez bien. Et pour les nouveaux, je vais me répéter à nouveau. Donc c'est de la pêche à l'aimant, c'est de la détection, c'est du canoë-kayak, de la recherche aussi en canoë-kayak en détection. De la plongée, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire. Il y aura une petite surprise pour l'année prochaine. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je suis très excité sur ce projet pour l'année prochaine avec la chaîne de Terre Secrète. J'ai très hâte d'y être et de vous en parler quand on y sera. C'est de la pêche au bar, au poisson, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur cette chaîne que j'ai envie vraiment de vous faire partager. C'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, vous en doutez bien, mais voilà, j'aime beaucoup tout ce que je fais dans cette vie et j'aime énormément le partager et trimballer ma caméra partout. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon confinement. Vous entendez, ça miaule dehors. C'est notre invité surprise qui revient en camion, ce petit chaton. Mais je vais le mettre au chaud parce qu'il fait pas très chaud dehors, il y a du vent et il commence un petit peu à avoir quelques gouttes. Donc je vais le mettre à la chaleur, il va faire un petit dodo ici. Voilà, je vais vous souhaiter bon courage dans ce confinement. J'essaierai de vous apporter des vidéos du mieux que je pourrai avec toute la légalité hein, qui va de soi, évidemment. Et puis, je vous dis au prochain numéro, qui sera assez rapide, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Beaucoup de personnes étaient intriguées de savoir comment je vivais à l'intérieur de mon camion. Bon, je pense que je vous ai apporté quelques précisions là-dessus. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouvera au prochain numéro de Terre Secrète. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine.